Yo tout le monde, c'est Xaroz. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur Infinite Warfare. Et aujourd'hui on est parti en MME avec l'arme Trencher. Donc voilà, on retourne un petit peu en mode Seconde Guerre mondiale en attendant le prochain Call of Duty. Et on est parti avec cette mitraillette, la Trencher, qui fait plaisir. J'aime vraiment jouer cette arme et je vais vous proposer ce petit gameplay. Voilà, premier kill. Par contre, j'ai bien vu. Voilà, deuxième kill. Donc, c'est une arme vraiment efficace, les amis. Ouh, j'ai eu le kill quand même. J'ai 48 balles dans le chargeur. C'est peinard. Ouh, le noscope qui passe. Il m'avait pas vu, il était complètement paumé. On va faire le tour. On va passer derrière eux. Voilà. Toi t'es paumé, très bien. Toi tu joues pas, très bien aussi. Voilà, on fait une petite série les amis. Ça commence et ça va s'arrêter là. Ah, c'est à chaque fois que je dis ça, évidemment ça s'arrête là. On va mettre le drone. Là il y en a un. Je sais pas s'il allait de la vue, mais moi en tout cas je l'ai bien vu. Voilà, petit kill. Oh, oh ça, on s'est fait retourner. Voilà, le petit kill encore. On enchaîne le doublé. Peut-être le trip. La trip qui est prise. La quad. Allez. T'es où? Non. Oh là là. Je le cherchais, les amis. Ah, c'est sûr, on a eu la trip. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé les médailles, les amis. Mais je suis sûr qu'on a eu la trip. Oula, ça prend pas, si ça y est. Hop, on tourne, on l'a peut-être. Oui, on l'a eu. Ça, ça fait plaisir. Derrière toi. Oh, toi, ça passe. Grade 13, magnifique. On va utiliser ça. Allez, recharge vite. Non, on l'a pas eu. Ouf, c'est bon, il est mort. On va changer parce que là, j'étais un petit peu en galère. Là on est dans le cul, on a un assistance, non oui, le oh, assistant du deuxième. Là il y en a deux les amis. Le premier, on l'a eu, le deuxième il descend, on l'a aussi, magnifique. Voilà, le petit grade 20, il fait plaisir. Oula, je l'ai pas eu. Voilà, un autre kill encore. Ça s'enchaîne bien. Oh, ça s'enchaîne plus. Mais on a quand même le... Ouh, ça, ça fait plaisir, les amis. Alors, on va le mettre. On va mettre le petit drone. On va essayer de faire des kills avec. Ouais, ça fait deux kills, ça fait plaisir, ça. Oh, il y a du kill. Un, deux, peut-être plus. Non, il n'y en a pas plus. Si. Oh non, pas plus. Là, on l'a vu. Oh, je l'ai pas eu. Là, c'était mon shoot, par contre. Il était pas terrible, je l'avoue. Un kill, deux kills. On est chaud les amis, on est chaud. Oh non. Oh le type, il campait. Oh c'était violent. Hop, oh j'en ai eu un. J'ai vu le deuxième mais j'ai pas eu le temps. On va faire gaffe. Oui c'est bon, on l'a eu. On va reculer. Ah toi tu meurs. Ouh derrière moi. Oh on a gagné. Voilà, petite victoire les amis, elle fait plaisir. Là on a fait vraiment une bonne game. J'avoue que ça doit être quand même dans une des games que j'ai vraiment le mieux réussi. Je connaissais pas la carte, mais on a quand même réussi à gérer. Il y a eu quelques enchaînements, des triple kills, des double kills, des petites séries aussi. Donc ça, ça fait plaisir, on finit premier, voilà. Alors on va regarder rapidement le score qu'on fait. J'arrive pas bien à lire, mais 26-13. C'est plutôt propre, hein, les amis, de Dracio. Voilà, c'était le petit gameplay retour Seconde Guerre mondiale qui passe plutôt crème, hein, comparé à leurs armes laser. Voilà, on arrive à gagner en grade, tout ça, voilà. On gagne des clés, c'est magnifique.
Donc voilà les amis, c'est tout pour ce petit gameplay sur Infinite Warfare en mode Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous préférez ce système d'une seule game, c'est un petit peu plus court, ou si vous voulez que je retourne sur deux games avec deux cartes différentes, où ça fait une vidéo un petit peu plus longue. Donc dites-le moi tout ça par commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao tout le monde.